c'est l'identification. Doit-on s'identifier aux choses qui nous entourent et qui on est si on n'est pas ces choses qui nous entourent? Quelle identité a-t-on? La vraie identité qui appartient à soi, cette identité. Il semblerait que dans le monde, on s'active à prendre l'identité des choses. On joue un rôle, et à travers le rôle, on existe. Et on s'identifie au rôle. On dit « je suis père, je suis mère, je suis président, je suis quelqu'un ». Et toute cette identification fausse celui qui est. Celui qui est en train de jouer le rôle n'est pas le rôle. Le rôle, c'est juste une activité qui est faite par celui qui instaure le rôle. Et celui qui instaure le rôle, c'est justement celui qui veut exister. Alors que soi, l'identité du soi, n'a pas d'existence en propre dans ce monde. Elle est libre de toute identification. Elle est reliée à tout, pas seulement aux choses qui est côtoyée. Donc cette identité, elle est faussée pour la plupart du temps dans nos rencontres, dans nos démarches, parce que nous nous identifions à ce que nous croyons être. Donc c'est une croyance en fait que l'on se donne d'être et qui fait l'extension de notre bien-être. Notre bien-être est constitué par les choses qui nous entourent, par les choses que l'on accapare pour soi, et ça devient, ces choses deviennent une identité que l'on se conceptualise en disant c'est ma femme, c'est mon enfant, c'est mon pays, ma nationalité, je suis français, toi tu es américain. Et tout le monde s'identifie à ce qu'il pense, ce qu'il a été propagandisé, je dirais, d'être. Donc, en fait, on n'est plus vrai, on est l'extension de ce que ce corps demande. Le corps, lui, il s'étend. Si tu prends un téléphone dans la main, et le téléphone devient ta possibilité de parler avec quelqu'un d'autre, un peu plus loin sur la planète Terre. Chose que tu ne peux pas faire directement maintenant. Mais tu peux le faire avec le téléphone. Et quand tu prends le téléphone et que tu appelles quelqu'un, eh ben, pour toi, ce téléphone devient très important. Il devient même une... Tu t'identifies même à ce téléphone-là. Tu dis ça, c'est mon téléphone. Ce n'est pas le tien. Donc on s'attache aux choses qui nous font exister. Mais cette existence n'est pas toi. Ce n'est pas l'existence du soi. Ça, c'est l'existence de celui qui veut exister à travers le rôle, à travers les choses, à travers la connaissance qu'il acquit avec toutes ces choses. Donc, ce qu'il connaît devient l'identification de lui-même. Il s'identifie à ce qu'il connaît et il s'enorgueillise de savoir que je connais. Et il dit « je connais ». Donc il s'est identifié à sa connaissance. Et à travers toute l'existence, on amasse des choses comme ça auxquelles on s'identifie. Et on devient ce personnage, ce caractère qui fait que on s'est identifié à tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a amassé, on s'est identifié à ça.
Alors, quelle est la vraie identité de soi? Elle est ailleurs, elle est impalpable. Elle se passe à un autre niveau. Elle est immuable, constante, et elle est reliée à quelque chose de bien plus profond, bien plus subtil. Et cette chose subtile, on y est, on est cette chose subtile. Mais comme cette chose subtile est très difficile d'accès parce que la pensée nous accapare, le monde matériel nous accapare, la vie dans laquelle on vit nous accapare, donc cette identification qu'on est, ce qu'on est vraiment, est oubliée au profit d'une identification superficielle qui fait la surface de ce qu'il y a en profondeur, c'est-à-dire mon corps, les choses que je peux mettre la main dessus, ben, je m'identifie avec. Mais ce qui est profond, je ne sais pas. Donc, il y a un mystère. Et donc, je ne veux pas m'identifier à quelque chose qui est troublant, en fait. Mais c'est plus réconfortant que d'avoir l'identification de celui qui est quelqu'un qui a réussi. Et c'est tout ça qui fait que l'homme se réconforte dans un monde d'illusions et d'éphémères. Or, ce qui est beaucoup plus profond, c'est sa propre identité. Et pour faire sortir cette propre identité, il faut déjà être libre de tout ce qu'on a amassé, de tout ce qu'on croit être. Et là est l'enjeu principal de l'être humain, c'est de pouvoir comprendre qu'il s'est illusionné en se donnant une identité comme celle qu'on a, notre corps, mon nom, ma voiture, mon argent et tout ça. Tout ça, c'est l'identification aux choses matérielles. Mais ce que tu es profondément n'a rien à voir avec tout ça. Il faut que tu te dises toi-même, est-ce que tu es tout ça? Est-ce que tu es ton argent? Est-ce que tu es ta maison? Est-ce que tu es ton pays? Est-ce que tu es tout ça? Non, tu vas t'apercevoir en étant honnête avec toi-même que ce n'est pas le cas. Ce que tu es est bien au-delà de tout ça. C'est quelque chose qu'on le sait au fond de nous. Mais il y a une propagande faite depuis des millions d'années qui nous dicte ce qu'on devrait être. Et donc, la croyance, elle est tenace, hein? On s'identifie à toutes les choses qui se prônent dans l'activité de tous les jours. Les croyances, les religions, chacun a sa religion. À mon avis, à vrai dire, si on demande à chaque personne sur la planète, de décrire sa croyance, eh ben, ils seront toutes différentes les uns des autres. Parce que c'est quelque chose qui est inventé pour exister. C'est inventé pour qu'on puisse soi exister. Parce qu'on ne sait pas, donc on invente et on croit que ça c'est moi. Donc tu t'identifies aux choses que tu penses. Et la pensée, ce n'est qu'un paquet de mémoire qui a été vécu et qui est restitué à chaque instant de ta vie. Et donc c'est avec cela que tu te fais des films. Tu te fais des films sur toi-même. Et la pensée, elle a cette capacité de te faire rêver, de te faire rêver de ce que tu aimerais être. Et tu t'identifies à ça. Tu te mets une image de toi et tu te dis, moi, je suis quelqu'un. Mais en fait, tu n'es pas ça, tu es rien. Et ce rien, tu ne sais pas comment t'identifier à ça. Mais pourtant, tu es ça. Tu es tout
ce qui existe et en même temps tu es rien. C'est le fait de comprendre ça, que tu es tout, que tu peux t'identifier au cosmos, à tout ce qui se joue autour de toi, aux arbres, aux oiseaux, et en fait, réaliser que tout ça, c'est toi-même, c'est ce que tu es au fond. Mais tu n'es pas. Tu es identifié au tout, mais pas à l'oiseau, tu n'es pas un oiseau, ni tu n'es pas un arbre, mais tu es identifié à tout l'essence de ce que l'univers propose. C'est-à-dire le vide, le rien propose un monde. C'est-à-dire elle manifeste les arbres, les oiseaux. Et tout ça, c'est ton essence. C'est ce que tu es au plus profond, mais non pas l'arbre, l'oiseau qui est manifesté, mais l'essence de tout ça. C'est ce que tu es. Tu es cette essence. Et c'est à ça qu'il faut s'identifier. Si tu es identifié à ça, tu as quelque chose de commun. On est tous, on a tous ce lien pour pouvoir se rencontrer et avoir justement cette rencontre sublime qu'on dirait une communion. Mais on ne sait pas se rencontrer comme ça, parce qu'on se rencontre avec le personnage que l'on sait fabriquer et qu'on se dit être. Mais tu n'es pas ça, tu n'es pas ce personnage. Ce personnage est inventé. Et quand on invente ce personnage et qu'on rencontre d'autres personnages de ce style que tu as, alors tu te compares. Tu as tendance à vouloir comparer, à mesurer, à imiter, pour que tu puisses être rentré dans les clous. Et c'est ce qui se passe entre nous, les êtres humains, c'est qu'on est tout le temps en train de se juger, de se comparer, pour pouvoir être accepté dans la communauté des êtres humains qui se sont identifiés aux choses et aux gens. Donc nous aussi, on veut être identifié pour ne pas être rejeté, pour ne pas être inconnu. Autrement, on serait rejeté par la masse, par tout le monde, parce que le monde a une identité. Et toi, tu n'es rien. Tu es rien. Pourtant, c'est la vérité. Ce que tu es, ce n'est pas l'apparence que tu te donnes à travers les objets et les possessions que tu amasses. C'est de l'apparence. C'est une apparence de ce que tu aimerais être pour te faire valoir, pour avoir de la reconnaissance envers l'autre. Et quand tu n'as pas ça, ben tu es libre. Tu es libre d'être ce que tu es. Et ce que tu es, quand tu laisses ce que tu es être, c'est-à-dire cette essence invisible, mais qui a toute sa valeur quand elle s'exprime à travers toi, elle s'exprime par la joie, par l'enthousiasme, par la gaieté et la créativité, l'harmonie, l'ordre. Elle s'exprime comme ça. Et c'est à ça que tu es relié, et non à tout ce qui a été manifesté et qui a déjà coulé, qui a déjà existé et que tu veux garder pour te réconforter. C'est quelque chose d'extraordinaire de s'apercevoir que on n'est rien. De savoir que tu es libre de ne pas devoir
prendre l'activité de celui qui doit paraître, qui doit être quelqu'un, qui doit se donner une image pour exister. Parce qu'à ce moment-là, l'esprit, lui, il est en paix. Il est libre. Il est libre de toutes ces tâches, ce devoir que l'on se donne tous pour ne pas être dans le malaise de ce que le monde croit qu'on doit avoir. Parce que c'est un malaise quand tu l'as pas. Quand tu n'es pas reconnu, tu as un malaise pour vivre dans ce monde. Parce que tu n'as pas accepté ton identité, ta vraie identité. Tu t'es identifié à ce qui n'est pas toi. Donc, laissez être celui qui est. Et celui qui est n'est pas l'apparence que tu te donnes. C'est la joie d'être, la joie de vivre. Et elle crée l'ordre et l'harmonie.